Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien les petits potes. Comme vous savez, la nouvelle saison vient de sortir les potes. Et comme vous savez, qui dit nouvelle saison dit nouveau pass de combat. Et comme je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas forcément l'acheter parce que leurs parents peuvent pas, ou parce qu'ils ont pas forcément les moyens, ou qu'ils veulent pas mettre de l'argent dans le jeu. Je vais vous offrir des passes de combat les potes, voilà, c'est cadeau, comme ça, ça fait plaisir. En échange de... bon, pas forcément en échange, mais on va se faire un jeu les potes. Comme vous savez, le code créateur c'est important pour nous. Code créateur Fortnite, ça fait plaisir, Doc-Jay-Z. Bien évidemment, c'est archi important pour nous les gars. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il y a pas longtemps, actuellement vous êtes 4000 à me soutenir. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est que tous les 1000 soutiens, je vous offrirai un pass de combat. Donc là vous êtes 4000, je vais vous en offrir 4. Si vous êtes 5000, je vous en offrirai 5. Si vous êtes 6000, je vous en offrirai 6. Si vous êtes 10000, je vous en offrirai 10. Si vous êtes 100000, je vous en offrirai 100. Voilà, ainsi de suite les gars, c'est vous qui décidez du coup. On va dire dimanche. Voilà, dimanche, je regarderai le nombre de soutiens que vous êtes, je vous dirai les gars, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Et selon le nombre de soutien que vous serez à me soutenir, eh ben on offrira le nombre de passes de combat. Voilà, en fonction, tout simplement. Donc voilà les potes, moi je vous souhaite une très bonne vidéo. Est-ce que vous voulez que là, maintenant, tout de suite là, on lance? Par contre, personne spoil, personne spoil. Oui, vous êtes chaud? Ok, let's go les gars, let's go, let's go, let's fucking go. Déjà ça, ils ont changé leur menu. Let's go, jouer. Ok, ah ouais, ils ont vraiment tout changé en fait. Ok, la petite cinématique, je vous dis. Donc là on est d'accord? Ouais, c'est l'éruption du volcan. Ok, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ok. C'est archi stylé, putain. C'est archi stylé. C'est dans le futur. Attends, pour moi, y'a rien de futuriste. Ok. Ah, elle est trop stylée. En vrai, c'est la meilleure cinématique pour le moment. C'est la plus fun. La moins sérieuse. Ok, y'a plus de graille. C'est les meilleurs moments des saisons, ça, les cinématiques, les gars. Clairement, on va pas se mytho. Avec le pass de combat. Wait. Wait! Sérieux là? Ah ouais! Mais c'est combien d'années après, ils disent pas? Petite tête, c'est grave beau maintenant. Attends, attends, ça, ce que j'ai mis en minia, c'est Tilted là. Ça, c'est Tilted. Ça, c'est Tilted Towers. C'est ça le futuriste là, je sais pas quoi là. Ah ouais, genre ils te lâchent comme ça. Ils te mettent une ville de fils de pute sur le cinématique et ils te lâchent comme ça. Ok, d'accord, très bien. Allez, c'est parti. Ok, de l'XP, bon ça c'est la base, on connaît. Le premier skin, Rox. Ouais, on dirait une meuf des années 80. Genre, vous savez le film Retour vers le futur? Bah ils sont sapés comme ça aussi. Mais enfin bref, ok. Un pigeon en armure. Ou un Power Rangers, je sais pas trop. Tenue sentinelle, il est pas beau. Vous le trouvez comment les gars? Il est pas ouf hein, on va pas se mytho. Nul, ouais il est bof hein. Ok, il est bof. Objet suivant, défi du pass de combat, défi d'utopie. Ok, tout ça c'est les défis de skin. Couple de pierres, bon ça les grave, je m'en fous. XP, bonus XP, putain y a beaucoup d'XP dans les passes de combat. Sentinelle, ok. Tube néon. Ouais, pareil, à l'ancienne, mais futuriste, ok. Le graphe. Oh, ça par contre, c'est stylé. T'es en train de me dire que là, c'est une pioche à deux mains. On est d'accord, vu qu'il y a deux manches. Putain, ça va être stylé. Ça par contre, ça va être stylé. Ça, c'est archi stylé. Ok. Putain, mais il y a beaucoup de trucs qui servent à rien en vrai. Merde, c'était quoi ça? Ok, elle est stylée. Les ailes turbo. Ah non, ça, j'aime pas. J'aime pas les planeurs, vous savez. Un pas vide. Ouais, non. Oh, ma parole, par contre, lui. Ce skin, c'est le meilleur skin au monde, les gars. Il est trop bien. Il est trop stylé. Il est trop fun. On est tous d'accord, il est trop bien. Comparé à l'autre Power Rangers, là. Lui, il est 100 fois au-dessus. Il est trop stylé. Classe. Nul. Non. Moche. Sérieux? Mais je le trouve méga stylé, moi. 20 paliers. C'était convenu. C'est parti. Ok, celle-là, on va la mettre. Par contre, direct pour troll, elle va être stylée. Le compagnon, je suis pas fan. Attends, c'est quoi? Revêtement, malédiction. Ok. Celle-là est méga stylée, ok. On met le trombone, le poulet, disque volant. Ouais, bon tout ça on s'en fout. Oh celle-là elle est stylée mec, la hache de torse et discount elle est stylée. Vega. Ouais. Voilà quoi, les bananes. Ouais, why not, ouais. C'est pas stylé mais c'est drôle, tout ça on s'en fout, ça on s'en fout. Oh, pas mal. Pancarte. Ah c'est la pancarte Battle Royale. Stylé, 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 stylé. What? Ok, gain de paillet, disque volant chic. C'est quoi ça? Une danse? Un objet danse épique, hein? Attends, Stratus. Oh, il est stylé par contre, lui. Ok, ouais, j'aime pas ce truc-là, moi. Oh! Elle est stylée! Elle est méga bonne, surtout. Écran, tranquille. Oh, elle est stylée! Ouais, voir les évolutions de skin, mais il est pas ouf sinon. Il est pas dingue. Sentinelle sombre, ok. Ok. En fait, les gars, j'aimerais bien faire un top 1 pour avoir au moins le parapluie, le nouveau. J'ai mis tellement de temps à avoir celui de la saison d'avant que là, j'aimerais bien l'avoir. Ah, il y a encore les tyroliennes. Tyrolienne, bulle, éolienne. Wouah, double coffre. Putain, mais c'est un super bon spot en vrai, ça. En plus, t'es en hauteur et tout, c'est that spot, ça. Voilà, double H, méga stylé par contre. Donc, y'a personne à plus en impression. C'est un peu la ville oubliée épuisante maintenant. Alors qu'avant, c'était là où tous les règlements de compte se passaient, tu vois. Après Tilted. Si on pouvait être full shield avec des pompes léges et tout. Ah bon, ça commence mal, mais je vais prendre le karma.
Tu vois, quand je dis qu'il a une cadence de 15 000, gros, tu spam le shoot, et mec, il peut rien faire. Il a une cadence de ouf. Le Space 2 existe encore? Non, apparemment, non. Tout le monde me dit qu'il y est plus, et je l'ai pas vu depuis je sais pas combien de games, donc je pense qu'il y est plus. Je l'avais demandé, je l'ai eu, le shield avec, parfait. Oh, c'est bon, ça! Ça, ça nous met plutôt bien. On est d'accord que la double H, elle est stylée, les gars. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que ça va être le combat de trop pour Doc Jason? Ouais, ce mec m'a mis une balle, gros, il m'a enlevé. 70. Ok, ça va en fait. Il est vraiment trop fort ce pompe par contre. On va pas se mytho qu'il est trop fort le pompe, les gars. Ça va être nerf rapidement, ça, je pense. Genre, il a une cadence de tir monstrueuse, il a un rechargement qui est assez court. Genre, il est vraiment très fort. Le pass est grave nul. Bah. C'est vrai que le pass complet pour le prix qu'il vaut, il y a pas des skins forcément ouf ouf. Genre, il y a 2-3 skins, genre celui-là et l'ermite là que j'aime bien. Mais sinon, après le reste, il y a des petits trucs cool, tu vois. Mais est-ce que ça vaut vraiment les 100 balles et quelques pour l'acheter complètement? Non, pas vraiment, je pense. C'est plus worth de passer à la sueur du front, tu vois. De toute façon, en vrai, je suis bien stuff déjà là. Oh là 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 là. Je vais faire ça. Y'a bien Jean-Michel du 36 qui va se faire baiser, non? C'est plus Fortnite sans chasseur. Pas en vrai, oui et non, hein. Moi, je vous dis, chasseur, j'étais pas archi fan, en vrai. Il était trop random. Bon, après, j'avoue que ce pompe-là est trop fort aussi. Je suis content que le chasseur soit plus là. Je suis content d'avoir un pompe un peu de shit, genre, c'est fun. Ça rajoute un peu de fun. Genre, c'est un peu moins compliqué, c'est moins skills. Mais j'avoue que quand tu te fais ken, bah, ça fait rager, quoi. Ok, est-ce qu'on va pouvoir explorer Tilted sans se faire tirer dessus? Ok, j'ai pas l'impression. À peine dit ça, il y avait un mec en planeur, frère. Foutez-moi la paix un peu. Ça, c'est pour monter, ça. What? What? Stylé? Du coup, tu vas dedans. Ok, méga stylé. Salut toi! Ça va ou quoi, mon Ray? On reste ensemble jusqu'à la fin des jours. Vas-y, on reste ensemble. Vas-y, mon pote, on se retrouve au top 1, viens! Je me suis fait un pote de tube, les gars! Putain! On peut pas danser dans le tube? On peut pas. Ah, troisième! Viens, frérot, viens! Viens avec nous! Qu'est-ce qu'il fait? Eh, vas-y, on l'encule. Viens, frérot, on l'encule. What? Il fait trop le fou, lui, par contre. Il a trop fait le fou, toi, gros. T'es où, mon pote? Je reviens, j'arrive. Il est où, mon pote de tube? T'es où, mon pote de tube? Viens, mon pote. Attends. Tu viens? C'est mon nouveau pote! Viens, frérot. On se casse, il y a la zone. Oui, je me suis fait un copain! What? What? Attends, Balkan, Balkan. Oui, mon pote de tube! Vas-y, je te laisse loot, je me casse. C'est ton loot, frère. C'est bon? Attends, mais y'a un loot là. Vas-y, nique sa mère. Je suis avec mon copain de tube, on nique les mecs qui veulent nous ken. On les entube. Ah oui, merde. Attends, l'autre sens, pas de sens, frère. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors? Let's go, mon pote de tube. Je vais te mettre un trempeau, gros. Ah, t'en avais un? Ok. Faut qu'on top 1, faut qu'on top 1, gros. Faut top 1, mec, je veux le parapluie. Je veux le parapluie, frérot. Ah, you want to make this, mec? Non? Ok. Faut que je top 1 avec mon pote de tube, les gars. Bah, les couilles. Mon pote! Mon pote de tube! Oui! Fais top 1 pour moi, frère, je te regarde. I see you! Non, je suis mort. Vas-y, encule-le, mon pote de tube. On te regarde tous. Bah oui, mon pote de tube. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Joue. Prends les mini-potes. Heal-toi. Bah oui, fais le hashtag 1, s'il te plaît. Merci. Ok, les gars, s'il fait top 1, c'est comme si on avait fait top 1, ok? S'il fait top 1, je l'ajoute. Oh non, je sais pas. Vas-y, joue. Joue, Janko. Fais top 1, s'il te plaît. Pour moi, pour Doc. Janko. Janko. Il a le seum que t'es mort. Bah ouais, bah moi aussi, j'ai le seum d'être mort. J'aurais bien voulu continuer avec lui. Par contre, Janko, il nous voit pas durer pour le moment, hein. Je pensais qu'il était plus kill que ça. 7 kills, il a 7 kills. Bah ouais, j'ai vu qu'il avait 7 kills, mais pourquoi il s'arrête de jouer tout le temps? Il doit regarder le live, je pense. Hey Janko, if you see me. Oh, ça se trouve, t'es français, hein. Si jamais tu me vois, eh bah je veux que tu top 1. Ah ouais, ça veut dire que ça regarde le live. Non? Non, t'es pas français? Fais oui si t'es français, non si t'es pas français, Janko. Oui, t'es français! Janko! Fais-moi top 1, s'il te plaît, fais-moi rêver, Janko. On croit en lui, on croit en Janko, les gars. Merci à Mimpoint. Vas-y, mardi. Il reste 4 pélos, Janko. Oh, il est pour toi. Allez, Janko! T'es mal, le mec il tue, il se recule, voilà, c'est bon, on a rien vu. Il regarde le live, fait un kill, tac, il regarde le live, fait un kill, il revient sur le live, fait un kill. Putain, 8 kills, Janko. Ok, il a vu la boule, il est en 1v3 pour le moment. Il a déjà eu plus de 8 kills à son actif, va-t-il le faire? Va-t-il réussir? Ouh, il construit devant la balle. Il charge son arc. Il switch, mais ça. Ouais, il est bon en vrai. En vrai, il est chaud, Janko, je crois.
Ah ouais. Il a un skill que je n'ai pas. Il y a un mec dans la casa, tu l'as entendu donc. Oh le sang. Il met des dégâts là. Oh par contre s'il l'avait tué avec l'arc mec. Il y a un petit level au-dessus. Oh ça a sorti lance-roquette into the house. Junko qui part son arc, on le sait qu'il a un aim plutôt certain. Junko qui met des dégâts à la bulle. Il prend même pas le temps de réfléchir, il sait. Et il met des dégâts. Ah je croyais qu'il l'avait tué. Mais non, mais c'est pas lui. Si. Pourquoi BRS Ramsey et pas Junko? Mais il l'a tué. Il l'a tué. Oh. Ok. Junko, BRS Ramsey, on ne sait pas comment l'appeler, il a plusieurs noms. 44 maintenant. Il a des mini-potes hein. Il a des mini-potes mais il décide de rusher. Il prend une décision. Il avance. On reconnaît là le build du joueur professionnel. Junko maintenant, BRS Ramsey. C'est vous. Oh le 78 dans la tête qui fait mal. Il prend des risques. Non. Non Junko. Junko. Oh non les gars. J'avais placé tous mes espoirs, c'est Juanma 2001. BRS Ramsey s'est fait détrôner par d'un 2001. Oh, tu me diras 2001 maintenant, en 2019, ça fait 18 ans. Putain, j'avoue, 2001, ça fait 18 ans.